Pour remédier au problème d'inondation à Cotonou, il a été réalisé le pont de Fifadi. Depuis 25 ans, les gouvernements qui se sont succédés ont réalisé soit des infrastructures d'évacuation d'eau de pluie, des voies d'accès ou tout autre ouvrage pour assainir les grandes villes du Bénin où les populations sont confrontées à d'énormes difficultés dans leur milieu de vie. Les acteurs concernés par cette problématique se sont retrouvés pour apprécier les différents travaux réalisés. En leur qualité de maître d'ouvrage délégué, les agences interviennent depuis 1990 dans la réalisation de divers ouvrages devant contribuer à l'amélioration de notre cadre de vie. Je crois qu'on ne peut pas ne pas être quand même un peu fier, disons, que le visage de nos centres urbains ait quelque peu évolué. Il y a quand même lieu de s'interroger sur la pertinence des infrastructures réalisées en termes de choix techniques et de politique d'entretien. Réfléchir à une politique d'entretien en vue de l'étendre dans toutes les localités, étant donné que le problème d'assainissement ne doit plus seulement concerner les grandes villes du Bénin, mais plutôt toutes les communes. Alors, le bilan des différentes politiques d'assainissement s'impose. Il est temps d'évaluer le chemin parcouru pour mieux jeter les bases de notre action future dans un secteur aussi déterminant pour la qualité de notre cadre de vie. Malgré ces résultats, nous avons, il faut le reconnaître, persisté dans les mauvaises pratiques urbaines. En conséquence, les besoins d'amélioration du cadre de vie et des conditions de circulation des populations semblent demeurer pressants au regard de la persistance des inondations dans nos villes et la paralysie qui frappe les gouvernants face au défi de la forte urbanisation qui caractérise ces villes. Ce séminaire, qui fait suite à une étude réalisée au nord, au centre et au sud du Bénin, zone prise comme échantillon représentatif, permettra de définir une meilleure politique d'assainissement pluvial au Bénin.